pour le nouveau tour qui arrive. Parce qu'autrement, tu n'en auras plus assez de force. Comment je le commence, là? Je ne me rappelle plus. Si je fais... imagine, tu mélanges deux. Non, ne réfléchis plus, ça va être dur, celui-là. Imagine, je fais ça. Combien... Est-ce que je peux savoir le nombre de cartes rouges ou noires qu'il y a ici? Ah oui. Il y a soit une carte rouge, soit une carte noire. Oui. Si je fais ça. Ah ben... Rouge. Une chance sur deux. Noir. Ouais. Ou deux rouges, deux noirs. Donc, deux rouges, deux noirs. Mmh. Ou une rouge, une noire. Une rouge, une noire. Tout à fait. Trois possibilités. Donc, et au fur et à mesure, ça augmente. Ça va faire beaucoup, ouais. Et on s'en fout du nombre. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est toi qui choisiras... Allez, on lui rajoute une difficulté en plus, ou encore en plus, ou deux en moins, d'accord? C'est toi qui choisiras. Je ne pourrai jamais savoir le nombre de cartes rouges et noires, et n'importe quel autre magicien aussi. Même s'il est matheux, il pourra faire des statistiques, mais il ne pourra pas faire À 100% être sûr, je suis d'accord que c'est pas possible. On peut faire des statistiques, mais on ne peut pas faire des affirmations. Tout à fait. Donc on commence, on mélange. Là c'est fort, là j'avoue c'est fort. Je sais que tu vas partir en réflexion. Bon. Alors, comment je vais te faire ça? J'ai l'impression de chercher l'autre. Non, cherche pas l'autre. Tu vas poser des cartes. Donc, c'est bon, c'est mélangé. Pour qu'il y ait un nombre X que je ne peux pas savoir de nombre rouge et de nombre noir sur la table. Ok. Je regarde ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Tiens, un nombre de cartes? Oui. Alors, je ne peux pas savoir le nombre de cartes rouges, le nombre de cartes noires. Non, impossible. À moins que tu prennes celui-là et que tu comptes combien de cartes rouges. Donc forcément, deux cartes noires. Autrement, c'est pas possible. Comment on va faire ça? Tu vas compter soit les rouges, soit les noirs. Mmh. Tu regardes ton jeu et tu comptes les rouges ou les noirs. C'est toi qui décides, je ne peux même pas savoir. Mais je te dis ce que je compte? Non. Non, pour l'instant, non. Ok. Tu les comptes. Alors... C'est bon. C'est bon? Oui. Tu les poses. Tu prends ce jeu. Mmh. Et imagine, c'était quoi les cartes? Rouge ou noir? Que j'ai compté? Ouais. C'était les noirs. Donc tu vas regarder le même nombre de cartes rouges. Et par exemple, tu as vu trois noirs. Mmh. Tu cherches la troisième carte rouge. D'accord. Et tu mémorises cette carte. D'accord. Voilà. Ok. En partant du dessous. Oui. Comme ça, c'est plus moi, facile. Moi, j'ai compté les noirs. Donc là, la carte rouge, donc. Tu cherches le même nombre de cartes rouges. Si tu en avais trois, tu regardes la troisième carte rouge. Donc la seule chose que je sais, c'est que tu cherches des rouges. Une carte rouge parmi toutes les cartes rouges. Non. Ok. Tu le poses sur l'autre jeu. Je pose ça ici? Ouais. Oh, je t'ai plié une carte. Ok. Ici. Maintenant qu'on soit bien d'accord. Je ne peux pas savoir le nombre de rouges et de noirs que tu avais. Je ne peux pas savoir la carte que tu as choisie. Ah, tout à fait. Donc en gros, si je cherche ta carte rouge, c'est impossible. Que je la cherche, je regarde. Ah ben là, comme ça... Ah ben non, ouais, parce que si j'avais une carte noire, donc j'aurais regardé une carte rouge, mais en plus, tu sais pas où j'ai regardé. Il aurait pu avoir... imagine, t'as 10 cartes, il aurait pu avoir 9 cartes rouges non, mais tout à et fait. Une carte noire. Je suis entièrement d'accord. Ah oui, c'est impossible. Enfin là, comme... si tu la trouves comme ça en l'étalant, ouais, c'est beau. Non, j'avoue, je débute dans ce domaine. Ah, d'accord. Je vais essayer que tu m'aides pour la retrouver. C'est pas pareil. Voilà. Tu crois que tu allais la retrouver comme non, ça? Non. Attends, je suis fort, mais pas autant. Je voudrais que dans ta tête, tu dises, le petit magicien, t'es mon maître. Non, mais tu le dis. Oui. Vas-y, au moment où tu le dis, tu me... Ça y est? Ça y est. Voilà, c'est parce qu'il faut que je fasse un réglage. D'accord, tu te synchronises. Bon, je me synchronise. Redis-le. Ça y est. Voilà, le petit magicien, t'es mon maître. C'est bien. Donc, je vais retourner les cartes. C'est quoi qu'on recherche? Une rouge. Une carte rouge. Je vais retourner les cartes. Et dès que tu vois ta carte, tu dis quoi dans ta tête?
Ben, le petit magicien et mon maître. Exactement. Et moi, pour pas que je me fasse influencer par tes réactions, tes mouvements, tes... comme ça, elle est là, je te regarde pas, hein, je pose les cartes et c'est toi qui me guides. D'accord. D'accord ? On y va ? Allez. Quoi ? De quoi ? Tu m'as dit stop ? C'était quoi ta carte ? Ben, je sais pas, moi. C'était pas le 3 de cœur ? Si. Pourquoi tu l'as pas montré à la caméra ? Et du coup, ils savent pas. Oui, c'était mais oui, ça ? C'est ça, oui. Regarde. Pourquoi tu m'as pas dit stop ici ? Là, il y avait un roi, là, il y avait... je sais pas... J'ai entendu stop. Le petit magicien était mon maître. Sylvain, tu peux c'est réfléchir. C'est pas l'aide, hein. Sylvain, tu peux réfléchir. Donc, effectivement, il n'y a pas de complicité. J'ai bien choisi le 3 de cœur, hein. Alors, comme, c'est balèze, hein. Comme tu savais pas où on allait faire, c'est vrai que t'as pas pensé à montrer la carte. Tu l'as pas montré, mince. Mais bon, de toute façon, on le sait que c'est ça là. C'est vrai que quand tu fais ça, il peut avoir que des cartes rouges dans ce jeu. Non, mais c'est balèze. Ou que des cartes noires. Non, mais imagine, je prends que ça. Là, je compte la rouge. Et là, je prends la première noire. Donc, ça serait... Mais ouais, comment tu sais que c'est celle-là ? Elle peut être là. Oui, si la première noire, elle peut être... Elle peut être en deuxième position, là ou là. Si j'avais compté les noires, 3, j'aurais pris la troisième rouge. Donc, 1, 2 et 3, elle serait au début du paquet. Mais elle aurait pu être... Mais elle aurait pu être... Et ouais, elle aurait pu être ici. Mais s'il y avait les 3 à la fin... Non, mais tout à fait, on voit bien l'écart déjà. Là, il me manque un truc que j'ai dû oublier ou que t'as fait que j'ai pas vu. Alors, pour ceux qui disent, moi je veux pas acheter. C'est vrai que c'est bon là. Pour ceux qui disent, moi je veux pas acheter des livres ou des DVD sur des tours automatiques, je vous garantis que vous faites une grosse erreur parce qu'il y a des bons trucs en mettant votre patte qui pourraient faire des miracles. Ben là, en automatique, je vois pas comment ça peut être. Ben, là, c'est automatique. Là, c'est toi qui m'envoies l'info, donc c'est. Oui, je sais. C'est automatique. Je veux dire, moi je suis là, je fais. Je mélange. Je pose, j'entends. Oh, tu es mon maître, tu es mon maître. Je mélange. Moi je pense qu'il va galérer. On m'en peut plus là pour te dire, tu me fais quoi ? Tu me fais prendre un. C'est ça, c'est que. Tu prends la vidéo. Si tu connais la regarde-moi. Première. Tu prends la vidéo, tu regardes. Tu vas regarder 1000 fois. Tu connais la procédure. Tu vas revenir en arrière. Mais comme tu te rappelles même plus la procédure du premier, si vous faites ça en direct à quelqu'un, vous le séchez. Là, vous avez de la chance de regarder la vidéo en avant, en arrière, en avant, en arrière. Donc tu prends le jeu, n'importe quel nombre, tu regardes le nombre de cartes rouges ou noires, voilà, et après tu vas la chercher en partant du dessous. Donc le pire, c'est que ce jeu est mélangé. Je me rappelle plus si tu connais les cartes de... Mais moi, tu démarres avec un jeu mélangé, j'ai pas touché. Je me suis retourné. C'est ça, je m'en rappelle plus parce que je si tu connais celle-ci où j'ai coupé, c'est facile. Non, mais là, je mélange. Tu mélanges et je suis là. Et là, t'attaques. Donc, je peux pas. Je sais que tu te rappelles plus de tout. C'est pour ça que le tour il est bon parce que celui qui va regarder la vidéo, pour lui, peut-être il va trouver. Ça, c'est facile. Au bout d'un an ou deux ans, il va peut-être trouver. Mais quand tu le fais à quelqu'un, il sait plus, il peut plus remonter. Il en a tellement vu que. Moi, je te dis un nombre. Non, tu mets les cartes sur même, la table. En plus, je dis une connerie, je dis que c'est facile. Non, c'est pas facile. Tu me dis rien. Même si je connais ça là. Putain, ouais, c'est. Alors là, comme ça, il y en a, je plus ou moins j'ai l'idée, j'ai la mécanique. Il y en a, je sais pas du tout. Ça, je suis sûr que si je te le fais 10 fois, tu vas au fur et à mesure éliminer les choses. Mais parce que je l'ai fait, refait, j'ai pas dit que tu ne trouverais jamais. Non, mais oui, mais. Tu as des principes. Le tour, il est très bon. Tu as des principes, c'est pas ça, donc il reste ça, et à partir de là. Ouais, si j'ai tout ça. Tu trouverais pas de suite. Tu trouverais peut-être au bout de 30, 40 minutes. Mais. Et encore. Parce que je vais te dire non, c'est pas ça, ou tu. Mais là. Je fais un montage. Donc je regarde. Ah,
c'est pas possible, ça, elle peut être n'importe où. Ça y est, j'ai regardé une carte. Rouge. Et je fais quoi, moi? T'as dit que t'as rien regardé. Celui-là, je le mets où, déjà? Fais ça. Comme ça, tu caches, voilà. Et je dois faire quoi? Mais regardez ma carte rouge. Tu dois regarder ta carte rouge. J'ai compté le nombre de cartes. Attends, non. Je me suis... T'as compté des noirs? Je sais même plus où est mon paquet. Oui, j'ai compté les noirs et j'ai regardé la carte rouge qui correspond donc à la même position que mon truc dans mon paquet noir. À froid comme ça, faut que je réfléchisse. Non, c'est impossible. Attends, attends. Regarde pas, ma carte c'est celle-là. Mais qui aurait pu effectivement. J'ai pris les cartes au hasard que je voulais en fait dans le jeu. Alors on y va. Dès que tu la vois, tu me dis stop dans ta tête. Tout simplement. Allez, ça va. Ok? On y va? Ouais. Donc je dois chercher une rouge. Ouais. Allez. Je la sens, hein, elle arrive. Moi, je dis rien. Mais tu dis juste, petit magicien, t'es mon maître. Ouais. C'est ça que t'as montré. Ah, c'est balèze. C'est balèze. J'ai dit, ça peut être celle-là, mais celle-là, elle est noire. C'est que des noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, c'est fort. Ah bah il y a une rouge encore. Ça n'a rien à voir en plus. Rien à voir. Eh ben écoute, là comme ça je sais pas, j'en ai aucune idée. Bon. Là c'est, j'avoue c'est fort. Je vais te le refaire et tu vas essayer, voilà. Je vois même pas pourquoi, en plus, la procédure que tu me fais faire, puisque j'ai l'impression que moi, là, j'ai fait ce que j'avais envie. Ouais. Même si j'ai respecté de compter mes cartes noires, et j'avais une carte noire. Et donc, j'ai regardé la première carte rouge, mais qui était... j'ai fait exprès de prendre que des cartes rouges pour en prendre un bloc... Qui était en galère, je devais avoir peut-être 14 ou 15 cartes. Bon, j'en ai un autre à te faire, mais on va d'abord faire l'explication. Allez, vas-y, coupe. Ouais, là, c'est fort. Il y a des trucs... jolis. Jérôme, il avait voulu dire quelque chose. Bon, il est minuit. J'ai trouvé tout seul. Oh, il est minuit, hein. Il est minuit, il a trouvé. C'est pas vrai. J'ai trouvé. Bon, il est parti loin, d'abord. D'abord, mais... il est parti très loin. J'ai trouvé, mais... Mais parce que t'as fait ben, tout ce qui existait au monde. Oui, ben oui, non, mais c'est parce que j'ai eu le temps de... J'ai compté les cartes une par une, j'ai dû me le faire au moins 15 fois le tour. Oui, mais au début, c'est... au moment où t'as trouvé, c'est parce que t'as changé complètement de direction. Oui, oui, oui. Parce qu'au début, tu partais... J'étais parti sur une mauvaise direction. Mais... J'ai trouvé. Je suis content. Allez, à tout à l'heure. Enfin, mais bon, c'est fort. C'est très très fort. Et c'est d'une simplicité étonnante. Tout simplement. On explique? Ah ben ouais. On prend la caméra. Et on y va.